là maintenant c'est pour nos amis de YouTube, nous faisons une deuxième vidéo parce qu'on sépare la vidéo de la louange et l'enseignement. Comme ça, ça permet les gens qui n'ont pas envie, qui ont envie d'écouter que le message, ils peuvent écouter que le message, ceux qui ont envie que la louange, comme ça ils peuvent écouter la louange. Alors aujourd'hui, nous allons continuer notre étude. Alors notre étude, alors c'est une synchronisation des dernières paroles de Jésus. Alors, pour ceux qui veulent suivre dans leur Bible, attendez, ça se trouve dans Matthieu. Alors, ça se trouve dans Matthieu. C'est Matthieu 20, 22, à partir du verset 1er, pour ceux qui veulent nous suivre. Alors, nous allons parler des derniers messages que Jésus a donnés. Alors, la dernière fois, on a vu les pharisiens, ils ont posé à Jésus une question, parce que Jésus était en train d'enseigner dans le temple. Ils ont dit à Jésus, mais qui t'a donné le pouvoir de faire cela? Alors, Jésus ne les a pas répondu, c'est Dieu. Jésus les a répondu par une question. Jésus a dit, bon, je vais vous répondre, mais déjà, commencez par me dire de qui Jean-Baptiste était. Est-ce qu'il était de Dieu ou est-ce qu'il était des hommes? C'est-à-dire, Jésus n'aura pas dit directement, je suis de Dieu. Vous allez me dire, si Jean-Baptiste est de Dieu, si vous dites qu'il est de Dieu, je dis, comme Jean-Baptiste, c'est de Dieu. Alors déjà, vous reconnaissez que Jean-Baptiste c'est de Dieu. Alors il leur pose la question, de qui? Alors là ils sont coincés. Parce que s'ils disent Jean-Baptiste c'est de Dieu, ça veut dire que j'ai reçu l'autorité pour enseigner dans le temple comme Jean-Baptiste. De la même autorité que Jean-Baptiste de Dieu. Et ils se sont dit, mais s'ils disent de Dieu, ça va les coincer. Alors, et s'ils disent c'est pas Jean-Baptiste n'est pas de Dieu, comme il y avait la foule, et pour la foule Jean-Baptiste est un prophète, la foule va se retourner contre eux. Alors du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont ni dit, ni c'est de Dieu, ni c'est pas de Dieu. Ils ont dit, on ne sait pas. Alors Jésus leur a dit, ben moi non plus, il n'a pas dit moi non plus, je ne sais pas de qui j'ai reçu. Mais moi non plus, je ne vous dirai pas de qui j'ai reçu cette autorité. Par qui je fais et je parle. Et, mais Jésus les répond quand même. Jésus les répond par différents, il leur donne des histoires. Il leur raconte une première histoire qu'on a vu la dernière fois. On a vu deux histoires. La première histoire, c'est, il leur dit qu'un père a deux fils. Le premier fils, il lui dit d'aller travailler dans la vigne. Le fils lui dit non. Après il regrette. Hein? Peut-être il est parti, comme aujourd'hui, peut-être il est parti regarder s'il est sur sa PlayStation, tu as envoyé faire quelque chose. Voilà. Mais après, il s'est dit non. Il vaut mieux... c'est la PlayStation ne va pas me donner à boire, à manger, mais peut-être voilà, le travail de la vigne, ça va ramener de l'argent dans la famille. Alors le premier, il a dit non, mais il a regretté. Il a écouté son père. Et Jésus a dit la même chose au deuxième. Le deuxième, il a dit oui. Par contre, lui, il n'a pas dit non. Le premier a dit non, il a été. Le deuxième a dit oui, mais il n'a pas été. C'est comme si un enfant t'a dit de faire quelque chose. Oui, je vais faire la vaisselle. Tu vois, tout le soir, la vaisselle est toujours là. Et celui qui a fait beau gauche pour toi, il t'a dit non, non, non. Qui n'aura pas, qui ne fera rien. Tu dis, je veux que ta chambre soit nettoyée. Il dit non. Hein, c'est parce qu'il y a des enfants qui sont rebelles. Il est rebelle, mais après, il a regretté. Sa rébellion, il a été faite. Et Jésus compare ces deux personnes au royaume de Dieu. Un qui est rebelle, mais qui, celui qui le fait, et celui qui est comme, doux comme un agneau, il obéit. Hein? Disons, il écoute. C'est là la différence entre écouter et obéir. Il a écouté. Le père lui a dit d'aller à la vigne travailler. Il a dit oui, papa, mais il n'est jamais allé. Il a écouté. Il a entendu. Mais il n'a pas mis en pratique ce qu'il a dit. Mais tandis que l'autre, il a entendu. Mais il a obéi.
Il a entendu, dans sa tête, il a dit non, il n'y va pas. Il a dit qu'il n'y va pas, mais il a fait le contraire de ce qu'il avait dit. Alors Jésus a donné cette première histoire pour expliquer aux Juifs qui fait la volonté de Dieu. Est-ce que vous faites la volonté de Dieu? Jean-Baptiste, il est venu, il a annoncé la parole. Vous êtes tous, vous avez dit oui, Jean-Baptiste est un prophète. Mais vous n'avez pas obéi à ce qu'il a dit. Parce que si vous avez obéi à ce que Jean-Baptiste avait dit, Jean-Baptiste disait, il y a un autre qui vient après moi. C'est lui qui est le chemin. Il est plus grand que moi. Si vous obéissez à ce que Jean-Baptiste dit, vous allez croire en moi. C'est pourquoi Jean-Baptiste et Jésus, ils prennent un autre chemin pour lui répondre. De manière philosophique. Parce qu'ils auraient dit, Jésus aurait dit, oui, c'est de Dieu que je reçois cette autorité. Eh bien, ils allaient peut-être vouloir l'apiter. Mais Jésus répond avec des arguments. Ils disent, on ne peut pas oui ou non, comme ça. Il répond avec des arguments. Alors, et puis après, il leur donne une autre histoire qui avait l'autre histoire, c'était un propriétaire qui avait des vignes. Il a planté la vigne, il a mis un mur autour, il a mis une tour pour pouvoir surveiller la vigne. Il est parti, il a confié ça à quelqu'un. Comme s'il a loué la vigne. Mais, et lui, il avait juste à s'occuper de la vigne. Le temps que ça pousse, qui est de la vigne. Après, quand c'était le temps de la récolte, le propriétaire, il veut récolter sa vigne. Il envoie des serviteurs. Il envoie 3 serviteurs. On les frappe, on les tue. Après, il envoie encore d'autres serviteurs, encore plus nombreux. Ils font pareil. Après, le propriétaire de la vigne, il envoie son fils, propre fils. Ils ont dit, ah, comme c'est le fils, c'est lui qui sera héritier. Tuons le fils et comme ça, la vigne va rester pour nous. Hein? Parce que comme ça, comme c'est lui qui sera l'héritier. Et Jésus a voulu les enseigner que c'est lui qui est le fils. Celui que vous voulez détruire, c'est le fils. Et c'est pourquoi il a pris ce psaume qui dit la pierre que vous avez rejetée est devenue la principale de l'angle. Ça veut dire que voilà, la première pierre. Jésus voulait montrer que c'est lui, celui que vous dites, qui lui a donné l'autorisation de prêcher dans le temple. Sachez que le temple de Dieu, c'est le lieu que Dieu habite. Sachez que moi, je suis la première pierre du temple de Dieu. Je suis la première pierre de la maison de Dieu. Et c'est cette pierre que vous voulez rejeter. C'est pour dire que quand ils disent à Jésus, mais qui t'a donné l'autorisation de prêcher dans le temple? Il vous dit, le temple, c'est le temple de mon Père. Je ne dois prêcher dans le temple de mon Père. Je n'ai pas besoin de votre autorisation. Parce que les scribes, les pharisiens, c'était eux. Voilà, c'est eux qui sont là. Pour eux, pour que Jésus puisse prêcher dans le temple, il fallait qu'ils donnent Jésus l'autorisation de prêcher. Il fallait que Jésus vienne les voir, qu'ils m'en dévoient eux. Est-ce que je peux porter un message dans le temple? Comment on va faire aujourd'hui? Tu ne vas pas entrer dans le temple de la personne comme ça pour ton message. Tu vas passer par les responsables. Mais le responsable du temple, c'est Dieu. Ce n'est pas les scribes, ce n'est pas les pharisiens, ce n'est pas les prêtres. Même si sur terre, c'est eux qui sont les responsables. Mais au-dessus d'eux, il y a une autre autorité. Et quand il pose à Jésus, de qui t'a donné cette autorisation, qui t'a donné cette autorité vient de Dieu. Mais ils n'allaient pas comprendre si Jésus avait dit de Dieu. Alors Jésus lui répond par des histoires. Alors là, nous allons voir une troisième histoire. Tu as la page là, c'est Matthieu 22. À partir du verset premier. Alors, vous pouvez lire. Non, mais vous pouvez lire sur ça parce que... Ouais, vous pouvez lire sur ça parce que... Comme j'ai fait une synchronisation, on reste comme ça. Ouais, Jésus se met. Yeshua se met encore à parler aux foules en utilisant des comparaisons. Il leur dit : le royaume des cieux ressemble à ceci. Un roi prépare un grand repas pour le mariage de son fils. Il envoie ses serviteurs appeler les invités au repas. Mais les invités ne veulent pas venir. Il envoie encore d'autres serviteurs pour dire aux invités, maintenant le repas est prêt. J'ai fait tuer mes bœufs et mes bêtes bien grasses. Tout est prêt. Venez au repas de mariage.
Mais les invités n'y font pas attention. Et ils s'en vont, l'un à son champ, l'autre à son commerce. Les autres prennent les serviteurs. Ils leur font du mal et ils les tuent. Le roi se met en colère. Il envoie ses soldats tuer les assassins et brûler leur ville. Ensuite, il dit à ses serviteurs, le repas de mariage est prêt, mais les invités n'étaient pas dignes de le manger. Allez donc au croisement des chemins et invitez au repas tous les gens que vous rencontrerez. Les serviteurs partent sur les chemins, ils rassemblent tous les gens qu'ils trouvent, les mauvais et les bons. Ainsi, la salle de fête est pleine de monde. Le roi entre pour regarder les invités. Il voit un homme qui n'a pas le vêtement de fête. Il lui dit, « Mon ami, comment tu es entré ici sans le vêtement de fête ?» L'homme ne répond rien. Alors le roi dit au serviteur, « Attachez-lui les mains et les pieds et jetez-le dehors dans la nuit. Là, il pleurera et il grincera des dents. » Je vous le dis, oui, Dieu appelle un grand nombre de gens, mais il n'y en a pas beaucoup qui sont choisis. C'est bon. Voilà. Alors, ça finit. Dieu appelle un grand nombre de gens, mais il n'y en a pas beaucoup qui sont choisis. Il y a une différence entre être appelé et être choisi. Ça veut dire que Dieu appelle un grand nombre de gens. Ça veut dire au début, c'est-à-dire que Dieu invite. Appeler, ça veut dire que Dieu invite. Dieu invite un grand nombre de gens. Ça veut dire que la volonté de Dieu, c'est que tous nous soyons sauvés. La volonté de Dieu, c'est que tous nous soyons à son mariage. Parce que là, il prend l'image d'un mariage. Et ce mariage, avant que ce mariage ait lieu, eh bien, il y a à lui faire part. Il n'y a pas de mariage sans fête. Alors, pour organiser la fête de ce mariage, eh bien, le roi, il envoie ses serviteurs. Le roi, il ne va pas lui-même. Hein. Et le roi se représente Dieu. Parce que là, il est en train de donner l'image. Le royaume des cieux représente ceci. C'est-à-dire que le roi, il parle du roi des cieux. Le royaume des cieux. Le royaume des cieux, c'est le paradis. Et le roi, c'est Jésus qui est le roi du paradis. Et pour qu'on puisse fêter ce mariage, il y a un temps, c'est le temps des invitations. On pourrait comparer ce temps, le temps des invitations, c'est le temps que nous vivons maintenant. Le mariage entre Jésus et ses élus n'a pas encore eu lieu. Aujourd'hui, c'est le temps que Dieu, c'est le temps de l'appel de Dieu. C'est le temps que Dieu appelle aux hommes. On dit Dieu appelle les hommes à lui, mais c'est-à-dire que le but que Dieu veut faire une fête avec nous. C'est comme ça qu'il faut voir la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, ça veut dire l'évangile. La bonne nouvelle, c'est que Dieu envoie ses serviteurs nous faire part, nous adresser son faire part. Nous a laissé des invitations. Vous voyez comment Dieu est bon. Dieu nous envoie des invitations pour qu'on puisse fêter avec lui le mariage de son fils. Son fils, c'est Jésus, Yeshua, le Messie. Chaque fois que l'évangile est adressé à nous, c'est une invitation de Dieu. C'est pourquoi il est dit que Dieu frappe à nos cœurs, si on entend sa voix ne pas endurcir sur nos cœurs, parce que c'est un faire part. Le but de Dieu, c'est que un jour, nous soyons dans le mariage de Dieu. Normalement, notre vision, notre objectif, tout ce que nous faisons sur cette terre, notre vision première, notre priorité devait être que nous soyons présents au mariage avec Jésus. Alors, il est dit, les serviteurs vont, mais nous ne voyons pas toujours cela comme cela. Pour nous,
Non, je ne sais pas comment dire. C'est pas pour nous, des fois, c'est pas important. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il envoie ses serviteurs vers qui? Il envoie ses serviteurs, premièrement, il envoie ses serviteurs appeler les invités au repas, mais les invités ne veulent pas venir. Il est dit que Jésus, la première chose qu'il a fait, et on voit ça dans vous n'avez pas besoin de prendre, hein, dans Matthieu 10, je vais le lire, la première invitation pour le royaume des cieux, c'est dans Matthieu 10. Alors, on le dit Matthieu 10 à partir du verset 6. Jésus, il envoie les 12 apôtres. La première fois qu'il envoie les apôtres apporter la bonne nouvelle. C'est comme ses serviteurs. N'allez pas. Il leur dit, n'allez pas vers les païens. Il ne les a pas envoyés vers ceux qui étaient dans la rue. Mais n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Il ne les a pas envoyés vers les Samaritains. Alors, les Samaritains, ce sont ceux qui font partie de une partie de la tribu d'Israël. Les distribuent et les Juifs, ce sont ceux qui font partie de la tribu de Judas. Allez, mais allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. En chemin, prêchez que le royaume des cieux est proche. Hein? L'image du royaume des cieux. Prêchez que le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent et à vos ceintures, ni sac de voyage, ni de tunique, etc. Mais Jésus, dans quelques villes où vous entrez, informez-vous s'il trouve quelqu'un qui soit digne, quelqu'un qui soit digne de vous recevoir et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. En saluant, etc. Je cherchais, bon voilà, verset 16. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme le serpent et simples comme la colombe, etc., etc. Mais en fait, Jésus, il les envoie premièrement vers la tribu d'Israël, vers la tribu de Judas. Avant même de les envoyer vers les Samaritains, il les envoie vers la tribu de Judas. Et tandis que dans les Actes des Apôtres, on voit que Jésus, ou dans les Actes des Apôtres, ou dans Marc 16, Jésus leur dit maintenant d'aller dans le monde entier, d'aller vers les païens, de ne pas aller seulement, disons, acte 1er le dit mieux, acte 1er verset 4, il dit, vous m'avez entendu parler. Attendez, voilà, verset 7. Attendez, voilà, verset 8. Mais vous recevez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant souvent, et vous serez mes témoins à Jérusalem, mais dans toute la Judée et dans la Samarie. Voilà, tout à l'heure, là, ils n'étaient pas. Il leur avait dit de ne pas aller vers la Samarie, mais là, il leur dit maintenant d'aller dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. La première invitation a été adressée aux brebis perdues de la maison d'Israël, à Judas, aux Juifs. Et après, les Juifs l'ont rejeté. Et qu'est-ce qui s'est passé? Jésus, il dit, ils ont tué les premiers serviteurs. Après, Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Dieu, il envoie d'autres serviteurs. On pourrait dire qu'ils ont tué le Fils, ils ont tué Jésus, ils ont tué Et après ça, ils envoient d'autres serviteurs. Mais à ce moment-là, Jésus, il n'envoie pas les disciples seulement vers les Juifs qui l'ont tué, mais aussi vers les autres tribus de la maison d'Israël, c'est-à-dire les Samaritains, et au-delà, vers
tous les Noirs, tous les Arabes, tous les Européens, tous les Asiatiques. Le plan de Dieu, c'est que le monde entier soit invité à son mariage. Nous n'avons pas le moyen, des fois, à un mariage, nous n'avons pas les moyens d'inviter toute notre famille. Mais Dieu, comme on dit que l'or et l'argent lui appartient, le monde lui appartient, les étoiles, le paradis, toute la galaxie lui appartient. Lui, il invite le monde entier au mariage de son fils. Dieu le Père, Yahweh, nous invite tous au mariage de son fils Yeshua, le Messie. Et c'est ça que Jésus a voulu les enseigner, que lui, il est venu pour les inviter à venir à son mariage. Le fils qu'ils ont tué, le fils qui, quand il est venu, ils ont dit, bon, on va tuer le fils, et puis nous allons, la ville sera à nous. Ce fils-là que vous avez tué, là, c'est ça, c'est au mariage de ce fils que je vous invite. Alors, dans notre pensée, sachant que le but de Dieu, c'est qu'un jour, nous soyons tous au mariage du Fils de Dieu. Mais on ne sera pas seulement des invités. Il est dit ailleurs que les invités, ce seront les invités qui seront l'époux. L'épouse, du moins, qui seront l'épouse. C'est-à-dire que tous ceux qui viendront au mariage seront à l'honneur. En général, c'est la mariée qui a l'honneur. Il y a le marié, et puis il y a la mariée. Eh bien, imaginez-vous que dans la vision de Dieu, dans la pensée de Dieu, la mariée, c'est les invités. Ça veut dire que nous serons à l'honneur. Nous allons fêter notre propre mariage. Ce ne sera pas seulement le mariage du Christ. Mais ce sera le mariage du Christ avec nous. Nous allons, le mariage, ça veut dire le lien. Ce lien que nous avons avec Dieu, ce lien que nous avons avec le Christ, eh bien, il y aura ce lien. Lorsque l'image qui me vient à l'esprit, vous savez, lorsque Christ il est mort, au moment qu'il est mort, qu'il a rendu le souffle, il fallait qu'il meure avant le coucher du soleil. Parce qu'il y avait le sabbat qui suivait. Ils sont allés vers les deux premiers, les deux brigands. Ils n'étaient pas encore morts. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont coupé leurs jambes. Parce qu'il fallait qu'ils meurent avant le coucher du soleil. Il ne fallait pas que le sabbat les trouve encore sur la croix, parce que c'était interdit par la loi. Mais quand ils arrivent sur Christ, le Christ était déjà mort. Est-ce que vous vous rappelez qu'est-ce qu'ils ont fait? Lorsqu'ils ont vu que le Christ est déjà mort. Donc, oui, la perche. La lance. Voilà. Ils ont percé. Mais ils ont percé où? Au niveau des reins, là. Je ne sais pas comment. Des côtes. Au niveau des côtes. Des côtes. Si Jésus, c'est l'époux, ils ont percé l'époux au niveau des côtes. Et qu'est-ce qui est sorti du sang? Du sang. Et de l'eau. Le sang représente l'alliance. Lorsque tu mets une alliance, tu te lies à quelqu'un. Et lorsqu'on faisait alliance entre deux peuples, voilà, il y a alliance avec Dieu, il y avait le sang. Et pourquoi ça, ils ont percé? De même que Ève est sortie de la côte d'Adam, l'épouse de Christ, à ce moment-là, est sortie. L'église, on peut dire, on dit l'église, mais l'époux de Christ, l'épouse de Christ, on pourrait dire qu'il est sorti de la côte de Christ à ce moment-là. C'est à ce moment-là que Jésus avait dit tout est accompli. À partir de ce moment, on pouvait entrer dans le royaume de Dieu. Les âmes pouvaient commencer à entrer dans le royaume de Dieu. Que chacun de nous, on pouvait devenir l'épouse de Christ. C'est-à-dire, on sort de la côte du Christ. Est-ce que vous comprenez cette image? Et à ce moment-là, Jésus, sa mission était finie. C'est-à-dire qu'eux, ils pensaient finir, achever le Christ, mais ils étaient en train d'accomplir la parole de Dieu.
C'est pour dire que tous, Dieu nous domine. Même le diable, même les ennemis de Dieu, ils font la volonté de Dieu. Ils pensent qu'ils sont en train de crucifier le Christ pour qu'il puisse se taire. Comme ça, on ne va plus l'entendre, il ne va plus faire de miracles. Voilà, il ne va plus nous embêter. Il n'y aura plus de démons qui est chassé. Hein, on sera tranquille. Il ne viendra pas nous tourmenter. Mais en le crucifiant, vous êtes en train de faire la volonté de Dieu. Parce qu'il fallait qu'il y ait un homme qui meure afin que son sang coule pour qu'il y ait pardon de péché. Il ne peut pas avoir de pardon de péché s'il n'y a pas de sacrifice, s'il n'y a pas le sang. Et ça, il fallait qu'il y ait un homme qui le fasse. Ça veut dire que même ceux qui l'ont crucifié, ils ont fait la volonté de Dieu. Même Judas, qui l'a trahi, il a fait la volonté de Dieu. Puisqu'à un moment, Pierre dit à Jésus de ne pas y aller. Non, 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 que ça ne va pas t'arriver. Et Jésus lui dit, arrête de moi, Satan. Parce que tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais les pensées des hommes. Parce que nos pensées et les pensées de Dieu sont aussi éloignées que le ciel et la terre. Ce qui veut dire, Pierre avait la pensée de Satan, la pensée de l'ennemi de Dieu. Mais Judas, lui qui a voulu faire cela pour de l'argent, il a fait ça de manière, dans un but malsain, mais il a accompli la volonté de Dieu. Ceux qui l'ont percé, eh bien, ils ont accompli la volonté de Dieu parce qu'il était écrit qu'on allait le percer. Dans les Écritures, il est dit qu'on allait le percer. Et les gens qui l'ont percé, ils ne l'ont pas percé parce qu'ils savent que c'était écrit dans les Écritures. Ceux qui l'ont percé, c'était des Romains. Ils ne lisent pas les Écritures, ils ne lisent pas, ils lisent pas les Écritures saintes. Mais c'est Dieu qui avait le contrôle de tout. Même dans la mort, on pourrait voir ça, mais quelque chose, on pourrait voir quelque chose de côté négatif. Mais c'était quelque chose de positif. C'est pourquoi, lorsqu'on a l'Esprit de Dieu, il faut qu'on apprenne à voir le verre à moitié plein. Parce que souvent, on voit le verre à moitié vide, on dit non. On voit ce qui manque, mais on ne voit pas ce qu'il y a là-dedans. Oui, Jésus, il est mort. Mais, grâce à sa mort, on a ça. Et ça, on peut l'utiliser dans la vie de tous les jours. Comme ça, ça évite qu'on puisse se décourager des fois pour rien. C'est vrai. Mais j'ai le souffle de vie. Si vous voyez, le temps est difficile. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas ceci. Je suis malade. Mais j'ai encore le souffle de vie. Le coronavirus nous montre l'importance du souffle de vie. Parce que ça attaque nos poumons. Imaginez-vous, quelqu'un qui a le sida arrive à vivre des années. Malgré qu'il a le virus du sida. Le coronavirus, c'est tes poumons. Celui qui meurt de faim, il ne meurt pas de faim du jour au lendemain. Mais celui qu'on bouche les moyens pour respirer, il meurt instantanément. Ah, des fois, on peut voir le verre à moitié plein. Parce qu'on peut se dire, mais je suis malade, j'ai des difficultés, mais j'ai encore le souffle de vie. La chose la plus importante, l'oxygène est plus important que la nourriture. Tu peux rester sans manger plus d'un mois. Il y a des gens qui font des jeûnes de 40 jours. J'ai déjà fait des... Voilà. On peut rester sans boire pendant plusieurs jours, mais sans respirer. Et c'est là le son du coronavirus. Ce virus-là, ce n'est pas ton sang. Mais c'est tes poumons. La chose qui te permet de rester en vie. Le sida, tu vas souffrir, tu vas connaître l'agonie, mais voilà. Tu peux vivre des années avec. Mais du moment que c'est une maladie qui attaque tes poumons, crise cardiaque, machin, tout ce qui est lié à la respiration, voilà. C'est pourquoi il y a des maladies qui attaquent nos poumons qu'on n'est même pas conscient. La pollution, par exemple. La pollution tue beaucoup de gens par année. Mais on ne le voit pas parce qu'il n'y a pas de mort subite. Mais nos poumons ont été encrassés pendant des années, à force de respirer la pollution, le diesel, tous les gaz. Et puis au moment, notre poumon, ça s'arrête. C'est pour dire qu'il y a des choses plus importantes dans la vie.
Et pour revenir sur l'image de Jésus, que la côte, qu'on est sorti de la côte de Jésus, et le sang qui a coulé, c'est le sang de l'alliance. Et pour qu'il y ait mariage, il faut qu'il y ait alliance. Et le sang qui a coulé là, c'est le sang de l'alliance. C'est le même sang que... C'est ce sang que Jésus a voulu symboliser en prenant la coupe. Il dit, voici cette coupe et la coupe de mon sang, le sang de l'alliance. Mais l'alliance, pour qu'il puisse avoir l'alliance, il faut qu'il y ait deux parties. On ne fait pas alliance avec soi-même. Il faut deux parties. Mais il a voulu enseigner à ses disciples, c'est le sang de l'alliance qui vous relie à moi. Et s'il y a liaison entre nous, ça veut dire qu'on fait un. Et il est dit dans la Genèse, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, les deux formeront une seule chair. Et ça veut dire que les deux font une alliance. Ça veut dire que pour que je puisse faire alliance avec vous, eh bien, il faut que le sang coule. Et c'est pourquoi Jésus, quand il priait, avant de mourir, il a prié pour ses disciples. Il a dit, Père, la prière de Jésus, c'était afin que ses disciples ne puissent pas se disperser, mais qu'ils puissent faire un. Mais un avec lui. Et que là où que Jésus sera, après sa mort, que les disciples aussi soient là après leur mort. Afin que là où que je suis, là où j'irai, mais eux aussi, ils y soient aussi. Et c'est la volonté de Dieu. C'est que trois, chacun de nous, nos familles, eh bien, qu'on soit tous invités dans le royaume de Dieu. C'est pourquoi lorsque les apôtres enseignaient, ils commençaient par les maisons. Ce n'était pas comme maintenant, il y a des églises, des clochers. Non, à l'époque, il n'y avait pas ça. Ce qu'on appelle les synagogues. Les synagogues, ça veut dire que c'est comme là maintenant. Ici, c'est une synagogue. Ça veut dire que ce sont des maisons de prière. C'est-à-dire qu'il y avait le temple de Jérusalem. Et les gens, ils n'avaient pas des petites tops ailleurs. Non, c'était dans leur maison. Ils avaient un lieu spécial dans leur maison. Souvent, des fois, c'était dans... à l'étage, c'est pourquoi on appelle la chambre haute, parce qu'en général les chambres étaient en haut, le séjour était en bas, la cuisine en bas, et les chambres étaient en haut. Et quand Jésus a envoyé préparer la Pâque, c'était dans la chambre haute, les disciples, lorsque le Saint-Esprit descendait sur eux, c'était dans une maison, c'était dans la maison de quelqu'un, c'était pas dans une église, non, il y avait le temple, et les cultes se faisaient chez les gens. Et c'est ça qu'on appelle les synagogues. Et Jésus, lors de comment dire, lorsqu'il a pris le dernier repas avec eux, c'était dans cette synagogue, dans ce lieu, il a partagé son pain, il a dit, prenez ceci, et mon corps. Ça veut dire que Dieu, ce qu'il a voulu, que notre corps fasse un seul corps avec lui. Comme il a dit à Adam, que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ça veut dire que les deux formeront une seule chair. Ça veut dire que les deux formeront un seul corps. Lorsqu'on a percé le corps, le côté de Jésus, c'est afin que nous puissions faire un seul corps avec Jésus. Pour l'instant, on est au stade des fiançailles. On est au stade que Dieu est en train de nous inviter à ce mariage pour qu'un jour, qu'on puisse fêter notre union avec Dieu. Mais cette union ne se fera pas sur cette terre. Cette union se fera dans le royaume des cieux. Parce que nous, les Juifs, ils attendaient, parce qu'ils connaissent les Écritures, ils savent que Dieu a promis un jour d'établir son royaume. Mais dans leur tête, c'est sur cette terre. Jésus leur disait, non, mon royaume n'est pas d'ici. Mais ils n'ont pas compris ça. Mon royaume n'est pas d'ici bas. Mon royaume est du ciel. Le mariage ne se fera pas sur cette terre, ne se fera pas sur la terre, mais ça se fera au paradis. Puisqu'il est dit, il y a un invité qui n'était pas, il y a quelqu'un qui n'était pas habillé pour cela. Il a été jeté dehors. Ce qui veut dire que ce n'est pas ici-bas que ça va se passer, ça va se passer dans le royaume des cieux. Et c'est après qu'on soit marié avec Christ, qu'il reviendra, mais pas sur cette terre, mais cette terre va disparaître. Les cieux, tout ça, ça va disparaître. Il y aura une nouvelle terre et de nouveaux cieux. Et à ce moment-là, on reviendra.
le Christ. Et ce royaume est appelé aussi la Nouvelle Jérusalem. Souvent, on entend parler de la Nouvelle Jérusalem. La Nouvelle Jérusalem, c'est le royaume des cieux. La Nouvelle Jérusalem, c'est le paradis. Le paradis, c'est quoi? Le paradis, c'est le lieu lorsque nous mourons, lorsque nous quittons notre corps, que notre âme va. Soit notre âme va dans le royaume des cieux au paradis, ou notre âme va rencontrer le royaume du diable. Parce que le diable, aujourd'hui, il n'est pas sur terre. Parce que quand Christ est mort, là, il a jeté le diable en enfer. L'enfer, ce n'est pas encore les temps de feu. Il y a une différence entre l'enfer et les temps de feu. Parce que l'enfer sera jeté dans les temps de feu. Ça veut dire l'enfer n'est pas les temps de feu. L'enfer, c'est comme le paradis. C'est un lieu intermédiaire, un lieu d'attente. Le paradis, c'est le lieu pour ceux qui vivent avec Jésus. Et l'enfer, c'est le lieu d'attente de ceux qui attendent leur jugement pour les temps de feu. L'enfer, ce n'est pas les temps de feu. L'enfer, c'est le lieu d'attente pour ceux, pour les démons. Et ceux qui quand ils quittent ce monde, leur âme va dans ce lieu d'attente. On pourrait dire, c'est comme en prison, on te met en prison, mais à détention provisoire. En fait, c'est une prison à détention provisoire. On est emprisonné provisoirement là. On attend notre jugement. Parce que souvent, on nous met en prison, mais on n'est pas encore jugé. Et c'est ça. Tu es en enfer, mais ce n'est pas encore le jugement. Ça veut dire que tu es là. Tu es accusé. Tu es juste dans le lieu des accusés. Et le paradis, ce sont ceux que tu n'as rien à leur reprocher. Entre parenthèses, parce que nous tous nous péchons. Mais ceux qui ont accepté le pardon de Dieu, personne ne peut les accuser. Il est dit que l'accusateur ne peut plus rien dire contre nous parce que nous avons fait le choix, nous avons choisi notre alliance. Soit on fait une alliance avec le Christ ou on fait une alliance contre le Christ. Ceux qui ne veulent pas accepter l'alliance du Christ, eh bien, lorsqu'ils quittent ce monde, ils peuvent pas rencontrer le Christ. Parce qu'il y a deux solutions. Il n'y a pas de solution intermédiaire. Soit vous rencontrez le royaume du Christ, soit vous rencontrez le royaume du diable, le royaume des ténèbres. Soit le royaume des cieux, soit le royaume des ténèbres. C'est à nous de choisir. Et c'est pourquoi, pour revenir sur ce mariage, Dieu veut que tous nous soyons dans ce mariage. Et il envoie ses disciples, il envoie ses serviteurs, on les tue, on les persécute. Il envoie une deuxième vague, pareil. Et nous sommes dans ce temps que Dieu envoie ses serviteurs pour avertir. On n'est pas encore dans le temps que Jésus reviendra. Non, Jésus ne revient pas tout de suite. Nous sommes dans le temps, parce que quand Jésus va revenir, il va revenir avec son épouse. Il ne reviendra pas tout seul. Beaucoup attendent que Jésus vienne et puis régner à Jérusalem, parce que les Juifs, c'est ça. Quand on dit tu es comme un Juif qui attend le Messie, hein? Les Juifs, ils attendent que le Messie vienne et puis mettre les Palestiniens dehors et puis il devient le roi en Israël. Dieu a déjà dépassé ça. Israël a fait tellement de bêtises que Dieu, ce n'est plus son plan que le Messie vienne sur cette Jérusalem terrestre. Son plan, c'est que nous allons dans la Jérusalem céleste. Alors beaucoup se battent pour Jérusalem. Celui-ci a mis sa mosquée. Les chrétiens mettent leur église. Les juifs, ils n'ont que le mur de lamentation. Mais leur but, c'est de construire le temple de Dieu. On peut se poser la question, comment des juifs qui sont riches, ils sont sur leur terre, ils n'arrivent pas à construire le temple. Jésus, et aujourd'hui on ne verra pas ça, mais les jours prochains on verra, parce que Jésus a dit que ce temple sera détruit. Ils n'arrivent pas. Le temple que Jésus a dit qu'il sera détruit, jusqu'à maintenant ils n'ont pas pu le détruire.
Ils n'ont pas pu le reconstruire. Peut-être un jour, ce sera reconstruit. Mais ce ne sera pas pour la gloire de Dieu, ce sera reconstruit. Le temple, que le troisième temple, n'est pas le temple qu'ils vont reconstruire à Jérusalem, qu'ils voudront reconstruire, qu'ils veulent reconstruire. Le troisième temple, ah ben c'est nous. Nous qui sommes le temple du Saint-Esprit. Le temple, ça veut dire la maison de Dieu. Quand l'Esprit de Dieu vient en toi, tu es la maison de Dieu. La maison de Dieu n'est pas ni l'église avec le clocher, ni les temples, les temples évangéliques, les temples adventistes ou témoins de Jéhovah, etc. La maison de Dieu, c'est notre corps. La maison de Dieu, c'est là que l'Esprit de Dieu vit. Si l'Esprit de Dieu vit en nous, nous sommes le temple de Dieu. C'est pourquoi Jésus dit, lorsque tu pries, entre dans ta chambre. Ça veut dire que ta chambre peut être la maison de Dieu. Ta maison peut être la maison de Dieu. Il dit, là où deux ou trois sont réunis, en mon nom, je suis au milieu d'eux. Du moment que Dieu est présent, c'est sa maison. Là, Dieu est au milieu de nous. Oui, parce que nous sommes plus que toi. Non, mais non seulement parce que nous sommes plus que toi, mais parce que Dieu est présent. Chaque fois que Dieu est présent, Dieu n'attend pas qu'on soit toi. Quand tu es seul dans ta chambre, il est là. Il est entre dans ta chambre. Quand tu pries, entre dans ta chambre et ferme la porte. Ça veut dire que tu es tout seul. Même lorsque tu es tout seul, tu es dans la maison de Dieu. Tu es dans la présence de Dieu. Et les hommes ont cru la maison de Dieu, mais il faut bâtir. Au départ, oui. Il y avait le tabernacle. Après, le tabernacle, c'était parce que c'était un logement, un local itinérant. Après, David a voulu construire quelque chose de solide, quelque chose de fixe. Après, il y a eu le temple de Jérusalem. Et l'Esprit de Dieu était là. Mais ils ont fait tellement de bêtises au temple. Ils ont même tué Zacharie, qui était l'un des derniers sacrificateurs avant Jésus. Et c'est pourquoi l'Esprit de Dieu a dit non, il ne peut pas rester dans un lieu où que le sang de ses prophètes ont coulé. Il dit que le sang de Zacharie crie vengeance. Et c'est pourquoi le temple a été détruit. On pourrait dire que c'est une malédiction qui a détruit le temple de Jérusalem. Peut-être pour les Juifs, ils vont penser que ce sont les Romains. Mais Dieu a utilisé les Romains en l'an 70 pour détruire le temple. Parce que lorsque les Romains ont quitté Israël, ils ont, comme c'était eux qui avaient construit, c'était un Romain qui avait construit le temple. C'est Hérode. Ils partent, mais ils ont dit, mais tout ce que nous avons construit, on va le détruire. C'est quoi? Ils ont détruit plein de choses. Ils ont détruit des bibliothèques. Des bibliothèques qui avaient vraiment des trucs de l'Antiquité. Des trucs qui pourraient nous servir aujourd'hui. Des fois, on retrouve des petits fragments. Voilà. Ils ont détruit, quand ils ont détruit ça, il y avait des textes sacrés que nous avons perdus définitivement. On a perdu beaucoup de choses. Par exemple, lorsque les terroristes ils sont rentrés en Irak, lorsqu'ils ont été à Babylone, ils ont détruit plein de choses. Mais ce sont des choses de l'Antiquité. Des choses qui remontent même avant Noé qu'ils ont détruit. Vous imaginez comment la folie des hommes, des trucs qui pourraient nous rappeler comment les hommes vivaient à cette époque, et bien ils ont détruit. Mais la même chose que les Romains ont fait. Ils ont tout détruit. Ils ont détruit en partie. Dieu merci, on retrouve, il y a certaines personnes qui ont caché des livres. Et on a retrouvé des livres à Qumran. Comme ça, on a su que ce sont les livres que les disciples lisaient. Et là, on découvre des livres que nous n'avons pas dans notre Bible qu'ils avaient. Parce que nous avons ce qu'on a retrouvé. Et puis, il y a d'autres livres qu'on a retrouvés qu'on a choisi de ne pas les mettre dans la Bible. Mais on découvre que même des livres que les catholiques, que les protestants, que les juifs n'ont pas mis dans la Bible, on a retrouvé ça dans les grottes de Qumran, les grottes de la mer Morte, hein, les manuscrits de la mer Morte. On a retrouvé, il y avait des gens qui utilisaient ces livres. Même, on a retrouvé des livres qui sont dans la Bible, mais qui sont plus complets que celui qu'on a dans la Bible. Parce que beaucoup de livres qui sont dans la Bible, c'est un travail d'orfèvre. C'est comme un puzzle. On a recollé les morceaux. Et puis, on a essayé de déchiffrer. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais des fois, on a, par exemple, le livre d'Ésaïe, on a retrouvé plein de parties qui manquent dans notre livre d'Ésaïe. Comme on a retrouvé le livre complet,
ça n'a pas été, il y a pas eu de, ça n'a pas été émietté, il y a pas eu de trous. Ça veut dire, le texte il est complet. Et il est plus complet que celui qu'on a là. Parce que le travail la Bible qu'on a, c'est vraiment un travail d'orfèvre. On a essayé de reconstituer. Et là, on a retrouvé des textes complets. Mais il y a d'autres qu'on a retrouvés comme on appelle ça, en confetti. Mais malgré ça, les gars, avec des années, ils ont su reconstruire. Et voilà. Mais tout ça pour dire, pour finir, un moment. Le Père, Dieu, il trouve quelqu'un qui est au mariage, qui est parmi les invités, et il n'a pas son vêtement de fête. On dit que Dieu appelle tout le monde à lui. Dieu ne rejette pas. Et là, il demande de mettre cette personne dehors. Comment cela est possible? Déjà, il lui demande comment tu as fait pour entrer là? Qui veut dire que on doit se préparer pour ce mariage. On ne doit pas se dire, on m'a invité, mais j'y vais, tu vas avec ton vêtement le vêtement que tu viens de sortir, faire ton charbon, tu viens de faire ton jardin, voilà, on vient tout seul. Non, ça veut dire que pour aller dans une fête, tu te laves, tu mets un vêtement de mariée, et tu mets le vêtement d'épouse. Lorsqu'on se marie, même si on n'a pas beaucoup d'argent, mais on essaie de mettre sa plus belle robe ce jour-là. Ou une belle robe. Même si ce n'est pas nous qui sommes les mariés ou les époux, mais on essaie, celui qui est le marié et celui qui est la mariée, parmi les invités, elle essaie d'avoir un costume, vraiment le plus beau costume. Le marié, il ne veut pas que son beau-père soit mieux habillé que lui, ni ses invités. Lui, il veut, voilà. Il veut mettre le paquet. Hein, il faut qu'il soit sapé à jamais. Ou sapé comme jamais. Et lui, il est là. Il n'a pas ses habits de noces. Cela doit nous pousser à réfléchir. Qui sommes-nous dans cette histoire? Est-ce qu'on est les serviteurs qui vont apporter l'invitation? Est-ce qu'on est celui qui reçoit l'invitation mais qui rejette cette invitation? Et qui après, bon, il a rejeté l'invitation, mais après il a changé d'idée, il y va quand même. Il y va quand même au mariage. Ou est-ce qu'on est celui qui dit oui? Oui. Oui, tu m'as invité, oui, je viens. Et qui n'est jamais venu. Hein, ça nous arrive. Hein. On invite des gens, ils nous appellent, ils nous avertissent même pas. Hein, là, eux, ils ont dit qu'ils ne veulent pas y aller, ils sont allés faire leurs affaires. Ils nous avertissent même pas, puis tu entends dire, tu l'appelles, eh bien, il est sur un chantier en train de travailler. Tu l'as invité à manger, eh bien, il t'a oublié, soit... il a quelque chose d'autre à faire, mais il ne veut pas te dire non. Il ne te dit pas non. Ou est-ce qu'on est ceux qui se révoltent contre ceux qui nous apportent cette nouvelle? Est-ce qu'on se révolte contre ces gens-là? Même si on ne va pas les tuer, parce qu'il y a certains qui tuent, qui sont en train de tuer les serviteurs de Dieu, qui sont en train de tuer les servantes de Dieu, mais est-ce qu'on n'est pas en train de rejeter leur invitation? Ou est-ce qu'on est ces gens qui sont des gens au bord de la rue, des gens qui n'ont pas beaucoup d'importance, des gens qui sont les délaissés de la société et qui acceptent d'aller aux noces? Est-ce qu'on fait partie de ceux qui acceptent d'aller à ces noces? Alors l'invitation est lancée à tous ceux qui nous regardent, à nous qui sommes là. Est-ce que nous voulons aller aux noces de l'agneau? Est-ce que nous disons oui? Est-ce que nous disons oui
aux noces de l'agneau, mais on sait lorsque au moment du mariage, on dit veux-tu épouser telle personne, un moment, il y a le moment, il faut lui dire oui. Je pourrais dire ce oui là, c'est le symbole, parce que le oui a été choisi depuis avant, au moment que tu décides de te marier, au moment que tu demandes au mariage, le oui est déjà là. C'est rare que quelqu'un, ça c'est plutôt dans les films, oui. Tu dis oui, hein, tu acceptes de te marier, puis au moment du mariage, quand tu arrives devant le prêtre, le pasteur, devant la mère, tu dis non. Voilà. Alors le oui là, c'est quelque chose de, comment dire, de formel, mais dans le cœur, dans nos pensées, voilà, le oui est déjà fait. Et le oui avec Dieu, c'est maintenant. Il y a un chat qui dit, je dis oui, 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 je dis oui, Seigneur, oui, Seigneur. Le oui, c'est maintenant. Parce que le oui, c'est maintenant sur cette terre, parce que après, il sera trop tard. Parce que ce sont ceux qui ont dit oui qui seront invités. Oui à l'appel de Dieu, oui à l'invitation de Dieu. C'est pourquoi il est dit, et je finis par là, il dit, on est où là? La dernière phrase. Voilà. Oui, Jésus dit, je vous le dis. Dieu appelle un grand nombre de gens, mais il n'y en a pas beaucoup qui sont choisis. C'est-à-dire que Dieu nous appelle. Choisi, ça veut dire élu. Ceux qui disent oui, ce sont les élus. Comme on dit, l'élu de ton cœur. La mariée, voilà, on dit l'heureux élu. Et ceux qui vont accepter cette demande de mariage du Fils. Parce qu'en fait, l'invitation, c'est comme si c'est des demandes de mariage que tu fais. C'est comme si le Christ te donne des invitations pour dire, mais tu demandes, voilà, tu, en fait, il fait des demandes de mariage. C'est comme si c'est quelqu'un qui est là, il se met au feu là, et puis il distribue non seulement des invitations, mais des demandes de mariage. Et tous ceux qui ont accepté la demande de ce mariage, il ne va pas épouser une personne. Mais tous, on sera épousés. Il ne faut pas voir ça dans le sens que, qu'il est un polygame. Mais tous, de toute tribu, de toute langue, que tu sois homme, que tu sois femme, que tu sois enfant, même, comme je disais au début, même ceux qui n'ont pas vu le jour, ceux qui sont morts depuis le sein de leur mère, ils sont aussi à ce mariage. Alors, on peut bénir Dieu pour ça. Des fois, on peut regretter parce qu'on a perdu un enfant de manière prématurée, mais il sera à ce mariage. Des fois, tu as perdu un enfant jeune dans un accident de la route. Mais s'il est prêt, il sera à ce mariage. Et j'étais en train de méditer dernièrement, je me disais, mais souvent, lorsqu'il y a quelqu'un qui meurt, on est triste. Mais on aurait pu être joyeux. Hein? C'est voir le verre à moitié plein. C'est vrai, à moitié vide. Nous avons un proche qui part. Mais à moitié plein, il va rejoindre. Il nous a dévancé. On aurait pu être heureux pour lui. Mais ce qui nous a fait, c'est le fait de savoir qu'on perd quelqu'un, on perd un proche, on ne va plus le revoir. Mais si on sait que cette personne va aux noces, on va le revoir un jour aux noces, si nous on y est aux noces. Par contre, on ne va jamais le revoir si lui est allé aux noces, au paradis, et nous on va en enfer. Là, c'est clair, on va plus se revoir. C'est une séparation définitive. Mais si ta maman, ton père a été rencontré Dieu, ben, on va le revoir, on va tout se revoir. On va revoir les gens que nous avons connus comme les gens que nous n'avons pas connus. Nous allons revoir même notre premier père, Adam. On sera heureux de voir Jésus, parce que bon, on ne l'a jamais vu en vrai. Mais quand même, on sera heureux de voir Adam. On sera heureux de voir Ève.
On serait heureux de voir tous les prophètes, Enoch, Élie, Moïse, et tous. On sera au même niveau. On sera tous l'époux, l'épouse du moins, du Messie. Voilà, alors l'invitation est lancée encore. Alors tant que la vie dure sur ce monde, eh bien, on est dans cette époque. L'époque que Dieu appelle les hommes à venir à lui. Dieu appelle les hommes. Dieu les invite à son mariage, qui est ton propre mariage. Alléluia. Alors, je ne serai pas plus long, parce que j'ai beaucoup parlé. J'espère que je ne vous ai pas saoulé. Et nous allons dire merci. Je vais vous laisser remercier Dieu. Hein? Chacun d'entre vous, vous allez remercier Dieu pour cet enseignement. Je te remercie, Seigneur. Je te demande de bénir cette journée. Bénis toutes les familles qui sont avec nous aujourd'hui. Bénis tous les enfants qui sont malades, qui ont besoin d'aide, ainsi que toutes les personnes en souffrance. Bénis toutes les personnes qui n'ont pas encore cité ton nom, afin qu'ils te rejoignent dans la prière. Car c'est ce moment-là où ils verront ta force. Je remercie Jean-Luc, je remercie Vandalina de m'avoir accueilli chez eux pour ce culte, qui m'a beaucoup enrichi, et puis je leur dis à la prochaine fois. Amen. Et la prochaine fois, je pense que je préparerai une petite surprise. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour l'invitation que tu nous as lancée de venir à ton mariage. Merci. Tu envoies l'invitation pour ton peuple. Merci Seigneur. Que ton peuple accueille ton invitation. Merci pour Karine qui est parmi nous, Seigneur. Merci pour cela. Merci de la fortifier. Merci de la bénir. Merci de l'inviter à ta noce aussi, Seigneur, ainsi que sa famille. Merci pour la vie. Merci pour la nuit, Seigneur, plutôt la journée. Merci pour tout, Seigneur, car tu es un Dieu grand. Tu es un grand Dieu. Tu as divers noms. Tu es Yeshua, tu es Rabouni. Tu es Dieu. Tu es l'Alpha, tu es l'Oméga. Merci, Seigneur, de venir sur cette terre, aider ton peuple, Seigneur. Merci pour l'amour que tu nous portes. Merci de nous donner la paix. Merci de nous donner la puissance pour tenir, Seigneur. Merci, car tu es grand. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es lumière. Tu es le chemin. Tu es la vérité. Oui, Seigneur, tu nous as dit de prophétiser, de proclamer. Alors, Seigneur, je proclame une journée de paix pour le monde entier. Une journée de paix, Seigneur. Une journée de paix. Alors, Seigneur, merci pour cette journée de paix que tu nous accordes, Seigneur. Et descends. Quand tu descends, Seigneur, tout s'arrête, Seigneur. Quand tu descends, alors, en ce jour, guéris des malades. Fais voir des aveugles. Guéris des sourds. Fais enfanter des femmes stériles, Seigneur. Car tu le fais. Tu l'as déjà fait et tu le feras, Seigneur. Car tu bénis. Tu as des bénédictions, Seigneur. Alors accorde à ton peuple toutes ces bénédictions. Toutes ces bénédictions merveilleuses de toi, Seigneur. Nous t'aimons. Amen. 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 À nous enchanter avec Xavier Foster, moins qu'à monter, c'est ça, moins ça. Et Xavier Foster nous a quittés il n'y a pas longtemps. Alors, il a dit qu'il sait qu'il va monter, il sait qu'Abraham sera là. Alors, nous, il nous a devancé. Alors, nous allons chanter ce chant avec lui. Moi qu'à monter, c'est ça, moi ça. Ah, j'espère que ce chant-là, je ne sais pas. Ah non, c'est pas celui-là, ce n'est pas celui-là. C'est pas celui-là, c'est pas celui-là. Alors, attendez, c'est pas celui-là. Il est bien aussi celui-là, mais c'est pas celui-là que je voulais. Je pense que c'est celui-là. Mais c'est pas lui.
C'est ce chant, mais je vais avec la voix de Xavier. Je vais mettre Xavier comme ça. Mon cas monté, Xavier Foster. Voilà. Ça, plus simple comme ça. Voilà, c'est bon. On va danser. Merci que nous avons choisi comme épouse. Alléluia. Manifolé. On l'a mis dehors le bonheur. Il n'y a pas de sorcier dans ce royaume. Alléluia. Satan, Belzébul, sois pas là. Le Christ des ténèbres, sois pas là. Mais le Christ, Jésus, il sera là. Je sais que mon âme ira au ciel, mais nous, en enfer. Nous sur la terre, mais au ciel. Nous de le séjour des morts, mais au ciel. Nous de le purgatoire, mais au ciel. Alléluia.
Tous ceux qui nous regardent, nous vous bénissons. Nous vous bénissons et que Dieu vous bénisse et que tout ce que vous avez pu entendre, que nous avons pu entendre aujourd'hui, que cela puisse produire du bon fruit et que réellement qu'on devienne vraiment des, qu'on soit des ouvriers qui aillent porter cette invitation, hein, se faire part aux âmes qui sont autour de nous. Et qu'en même temps que nous aussi, que nous soyons présents, hein, que nous soyons des serviteurs, mais que nous aussi, nous soyons des invités, hein, que nous répondons à l'invitation du Seigneur. Alors, je prie afin que Dieu puisse vous bénir et que tout ce que vous avez entendu puisse rester dans votre cœur. Et puis, je prie aussi pour tous ceux qui nous regardent et qui sont malades ou si vous avez quelqu'un, un proche qui est malade, peut-être en ce moment du coronavirus. Alors, pendant que nous prions, pensez à cette personne et demandez à Dieu que réellement cette prière que je fais puisse la toucher, puisque Dieu puisse la toucher par son Saint-Esprit. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour tout ce qui a été dit. Merci pour tout ce que nous avons entendu. Merci pour la louange qui est montée vers toi. Et merci pour ta parole qui est descendue vers nous. Merci parce que tu nous as instruits. Merci parce que tu continueras à nous instruire sur ces dernières paroles que tu as laissées sur cette terre, que tu as transmises à tes disciples et à tous ceux qui t'ont écouté. Et Seigneur, nous voulons être parmi ceux qui entendent ta parole et qui la gardent, non ceux qui rejettent cette parole que nous avons entendue. Nous ne voulons pas être comme les scribes, comme les pharisiens, les sadducéens, ces hommes qui étaient religieux, qui étaient religieux de d'apparence, mais en fait, dans leur cœur, ils rejetaient toi qui es le Messie, toi qui es la parole, toi qui es la parole de Dieu, qui rejetaient celui que toi tu as envoyé. Leurs yeux étaient fermés, ils n'ont pas reconnu que toi tu venais de Dieu. Nous voulons reconnaître que toi tu viens de Dieu. Et nous voulons reconnaître que réellement tout ce que tu as donné, tout ce que tu dis, vient de Dieu. Merci Seigneur pour cette invitation, merci pour cet honneur que toi tu fais à chacun de nous. Nous voulons que réellement être prêts ce jour-là. Nous voulons nous préparer nos habits, notre vêtement ce jour-là. Alors Seigneur, daigne nous laver par ton sang. Daigne nous purifier, que tu puisses pardonner chacun de nous, afin que nous soyons irréprochables le jour que nous serons face à toi. Alléluia. Afin que nous puissions entrer dans ce chemin. Que tous ceux qui sont dans l'ombre de la vallée de la mort en ce moment, s'il y a de ceux qui ont un proche, une famille, Seigneur, que toi tu puisses bénir leur famille, afin que, que ceux qui se trouvent dans l'ombre, dans le couloir de la mort en ce moment, qu'ils aillent vers toi et non vers l'ennemi. Alléluia. Non vers le royaume des ténèbres, mais vers le royaume de lumière, vers le royaume des cieux. Merci Jésus. Bénis tous ceux qui sont malades, qui nous écoutent en ce moment. Que tu poses ta main et tu les guérisses maintenant dans le nom de Jésus. Que tu les guérisses. Tu guérisses leur corps, tu guérisses leur âme, tu guérisses leur esprit. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Et que vous passiez une très bonne fin de journée. Amen. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. Alléluia.